Votre objectif, là, les gars, je vous redis bien, c'est que d'ici 2 semaines, enfin, vous faites encore vos 4 jours, là, votre roulement de 2 jours de nuit. Et après, je viendrai vous évaluer, enfin, vous évaluer, faire un accueil type d'une patiente, d'accord? Donc là, je vais tout vous refaire, les points, les bases, tout ce que vous devez savoir, etc. Et vous allez vous entraîner. Vous allez m'appeler dès que vous voulez accueillir une patiente. Vous dites, je vais m'entraîner, madame, est-ce que vous pouvez venir? Et on fait ensemble, d'accord? Je vous explique autant de fois qu'il faut. Et après, dès que vous êtes prêt, je vous évalue. C'est bon? Et Grace, tu es censée répondre à toutes mes questions, on est bien d'accord? Ça commence bien. Alors, je suis Bénédicte, sage-femme au Bon Samaritain et coordinatrice. Donc, à la fois, je m'occupe de la formation des élèves mailloticiens et à la fois, je travaille dans les services de maternité. Avec les élèves, je pense que je peux leur apporter peut-être un regard un peu extérieur et un peu différent de celui qu'ils peuvent avoir en stage. Parce que j'ai des pratiques certainement qui diffèrent un peu des sages-femmes du tchat, puisqu'on n'a pas eu la même formation tout à fait exactement. Un peu de nouveauté peut-être au service, justement par le fait que j'ai pas exactement les mêmes connaissances, donc il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses qu'elles ne savent pas, et donc on se forme un peu tous mutuellement, donc c'est très sympa, ça crée comme une petite cohésion et ça nous permet à tous de nous enrichir. Et je souhaitais depuis très longtemps partir à l'étranger, travailler dans un autre cadre, dans un autre milieu, dans un autre contexte, avec une autre culture et avec d'autres gens, voir d'autres choses tant que j'étais encore jeune et malléable et que tant que j'avais pas des idées trop arrêtées sur comment doit être l'obstétrique, etc. Je voulais absolument voir d'autres aspects de ce métier. J'avais pas spécialement demandé l'Afrique. J'avais même plutôt spécifié que je ne voulais pas l'Afrique. Mais ils m'ont trouvé un poste à N'Djamena et je ne regrette pas du tout parce que sinon je serais peut-être jamais venue en Afrique parce que j'avais beaucoup de... Enfin, j'étais pas motivée par ce pays, par ce continent. Et je suis tellement heureuse d'être ici que voilà. Quand on a fait le choix de partir, volontairement, on leur a pas dit où on voulait aller. C'est-à-dire que nous, c'était pas un choix de dire « nous, on veut aller au Tchad ». C'était pas ça. On leur a dit « voilà, nous, on veut passer un an et se mettre au service de l'Assomption ». Bonjour, bonjour. Vous pouvez vous asseoir, hein, vous arrivez au compte-gouttes. Asseyez-vous, sortez vos affaires. La semaine prochaine, le jour du contrôle, vous aurez un bout de musique comme ça. Et la consigne, ce sera compléter la partition. Est-ce que déjà, il y en a une qui peut me dire qu'il y a un truc choquant là? Il y a des choses qui manquent, sans lesquelles on ne peut rien faire. Ce chiffre, qu'on verra en détail plus tard, il nous indique qu'il va falloir qu'on groupe les rythmes par paquet de... 4 quoi? Pas mesure. Justement, c'est que les 4 ensemble, ça va faire une mesure. Mais 4 quoi? 4 temps. 4 pulsations. Une des raisons pour laquelle moi j'ai voulu qu'on parte avec ma compagne, c'est que déjà moi, je me posais déjà des questions si j'avais encore envie d'être enseignant en France. Je me suis dit, bon, si je change de public, si je change d'élève, si je quitte les élèves franco-français, et si j'allais dans un pays où l'éducation semble être une vraie voie de développement, quoi, un truc où on est un peu obligé d'y croire, parce que c'est avec ça qu'on peut s'en sortir, quoi. Et est-ce que les élèves vont avoir un autre rapport à l'école? Est-ce que les élèves ont un autre rapport à l'enseignant? Est-ce que les élèves ont un autre rapport au savoir? Et est-ce que moi, dans tout ça, je vais pouvoir m'y retrouver un peu plus et y voir plus clair?
là. Ouais. On tourne par là. Ouais. Je suis chargé de projet en développement rural. Dans mon portefeuille, j'ai bien évidemment des projets qui sont hors de la capitale N'Djamena. Mon plus gros projet, c'est le projet Barlinia. Donc là, en fait, il y a plusieurs composantes, mais les deux principales sont bien sûr les travaux. En fait, il s'agit de remettre en eau un ancien bras mort du Chari, qui est la rivière principale ici au Tchad et qui se jette dans le lac Tchad, un peu plus au nord. Donc le but est bien évidemment de redévelopper l'agriculture et donc l'irrigation, et donc redévelopper la production périurbaine céréalière et maraîchère, avec aussi une petite composante élevage. C'est les contrats de volontariat avec l'AFD, c'est des contrats de minimum un an, renouvelables une autre année. Du coup, on part dans cet état d'esprit-là. Et moi, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix-là, de partir au Tchad. Je pense apporter une certaine expertise, parce que je pense que l'expertise française est assez reconnue aujourd'hui. Après, au niveau des projets, y a des gens qui sont bien plus expérimentés que moi, et qui connaissent le terrain, mais comme on est prêt à apprendre et justement comme je l'ai dit, prêt à s'investir à fond, on est derrière, on travaille de concert avec les cellules de coordination des différents projets. Nous en plus on travaille exclusivement avec l'État tchadien. On les accompagne dans la mise en place et la gestion des projets. Et c'est ça qui me plaît dans le volontariat international au sein de l'AFD. Je suis la responsable suivi, évaluation et partenariat de la Maison de la Petite Entreprise. C'est une initiative par l'association Bethel Nadja qui est financée par l'AFD. Le mandat de la MPE, c'est d'accompagner les jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs pour créer les petites et très petites entreprises ici à N'Djamena. En tant que responsable de partenariat, la tâche principale que moi j'ai, c'est d'aller trouver des partenaires avec qui on peut travailler. Du coup, ça peut être des partenaires techniques, ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des partenaires avec d'autres organisations qui font à peu près un peu le même travail que nous. Les autres partenaires, par exemple, pour le moment, on a la Croix-Rouge qui est un des partenaires. Du coup, eux, ils ont déjà les groupements qui sont en activité et nous, on va les accompagner pour produire et pour développer le business plan. Et je viens de la Maison de la Petite Entreprise et avec mon collègue Altengar et Richard, on va vous accompagner un petit peu dans le lancement de votre agère. Okay. Merci, c'est très gentil. Et si vous pouvez me dire un petit peu sur c'est quoi exactement votre IG de votre agère, de Carré 22, c'est quoi votre activité? C'est la décortiqueuse des courges. Donc après ça, si nous aurons de bénéfices ou bien nous aurons un peu de l'argent dans notre caisse, c'est à partir de ça qu'on va commencer à faire le stockage. Est-ce que vous allez aussi acheter, décortiquer et vendre, ou bien vous êtes là seulement, vous attendez clients, les clients viendront avec leurs courges et vous les décortiquez? En tant que volontaire étrangère, je pense que ça peut avoir un regard tiers qu'un Tchadien ou une personne locale n'aurait pas forcément. Je voulais toujours travailler sur le terrain. Et après Sciences Po, je suis allée au Liban, mais quand je suis rentrée en Inde, j'ai travaillé dans un think tank pendant 2 ans et demi. Mais ce n'était pas exactement un travail de terrain et personnellement, je voulais toujours partir sur le terrain. Et cette expérience au Tchad me donne cette opportunité, me donne cette occasion de travailler auprès des gens directement. J'ai la chance de regarder, si je peux dire, le fruit final
de ce que je fais. En fait, je pense que ça va beaucoup m'aider plus tard quand je vais peut-être retourner travailler dans des organisations internationales, peut-être au siège, rédiger des politiques pour des pays en développement. Bah, au Tchad, ce qui m'a surpris au niveau pro, c'est le délai de mise en place des projets. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais du coup, c'est un challenge perpétuel. Après, une fois que les projets sont lancés, c'est de l'accompagnement, du suivi, que ce soit au niveau des ministères ou des ONG tchadiennes, elles sont volontaires. Elles ont envie de développer, que ce soit l'économie ou la qualité de vie de leurs concitoyens. Comme ici, où on permet à des populations qui n'avaient pas vu l'eau arriver jusqu'ici depuis une trentaine d'années et qui aujourd'hui produisent du riz, produisent des céréales, font du maraîchage, vont avoir la possibilité de faire de la pisciculture. Les éleveurs aussi ont accès à l'eau et donc l'élevage se porte mieux et plus au niveau sanitaire, ça améliore la qualité du bétail. Éducatifs sont très différents, les manières de concevoir la pédagogie aussi. Donc moi j'enseigne, j'allais dire même pas à la française, mais j'enseigne comme moi j'enseigne, quoi. Ce que vous avez vu tout à l'heure, je crois pas que ce soit quelque chose qu'elle fasse souvent, par exemple le genre de cours un peu comme ça où on va au tableau, il y a des exercices, on bouge. Moi, les cours auxquels j'ai assisté, c'est pas ce que j'ai vu en tout cas. Donc, en ce qui concerne le dépaysement, on n'est pas déçus, c'est sûr. Pour être complètement honnête, moi j'ai quitté un système éducatif que je considérais défaillant en France. J'en découvre un qui est encore pire. Le cours ici, typiquement, c'est le prof parle pendant une demi-heure ou une heure. Et ensuite, les élèves copient ce que le prof a copié au tableau pendant une demi-heure et une heure. Voilà, donc moi forcément, je ne vais pas enseigner comme ça. Donc pour les filles, en tout cas, je pense qu'il y a déjà une espèce d'exotisme éducatif, quoi. Un seul coup, elles vont avoir des cours pas comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Pour elles, je ne sais pas. De ce que j'ai vu avec les élèves, c'est qu'au début, elles ont été un peu bousculées, forcément. Le temps qu'on prenne contact, je pense, qu'on fasse connaissance. Mais ça, c'est comme tout prof avec son groupe classe, quoi. Il y a toujours une phase d'apprivoisement, j'ai envie de dire. Le cours au début d'abord, on a fait d'abord sonner avec elle. Ça a été très bien avant qu'on puisse déposer ou pour commencer pour le magnétique. Et ça a été très bien comme le cours. Le fait qu'elle est française, beaucoup les Françaises et autres, quand ils nous donnent cours, ils se demandent d'abord comment. C'est-à-dire qu'il y a deux cultures différentes qu'ils essayent d'adapter et autres. Alors, moi particulièrement, je ne vois pas vraiment un grand changement, quoi. Je vois, c'est mon enseignant, elle est là. Ce que j'ai à faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message. Je ne vois pas d'abord le côté, si c'est un Tchadien ou c'est un Français ou autre. Bon, je ne vois pas ce côté-là. Beaucoup plus, c'est ce qu'elle veut me faire comprendre, c'est ce qui m'importe. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Alors, il y a certaines... Ce qui me choque peut-être, c'est... La condition de la femme au Tchad, je vois nos patientes en France, elles ont un petit rendez-vous, elles viennent, on ne fait pas plus de 10 consultes par jour. Voilà, là, elles arrivent par centaines, elles peuvent attendre parfois des heures au soleil. Après, les accouchements, l'accouchement sans douleur, ça n'existe pas ici. La prise en charge n'est pas la même. En fait, ce qui m'a peut-être choquée, c'est toutes ces pratiques auxquelles je ne suis pas du tout habituée. En fait, on ne comprend pas tout au début et...
Une fois qu'on s'ancre un peu dans le paysage, on comprend que tout est organisé, mais alors d'une manière complètement différente. Et c'est un deuxième choc, en fait, de comprendre que c'est tout à fait organisé et qu'il y a... Même si c'est pas du tout comme nous, on a l'habitude de concevoir les choses. Bah, franchement, quand j'ai décidé de partir au Tchad, j'avais pris une décision consciemment de ne pas lire beaucoup de choses sur le pays parce que je ne voulais pas avoir des préjugés avant de venir dans un pays que je ne connais pas bien. Depuis 15 semaines, j'ai lancé une page Facebook qui s'appelle Humans of N'Djamena, où je fais les portraits des gens extraordinaires que je rencontre ici à N'Djamena. L'idée, c'était de montrer à mes familles, à ma famille et à mes amis en Inde que voilà, l'image du Tchad qu'on a dans les médias n'est pas exactement la même. En fait, il y a aussi des personnes extraordinaires qui existent ici, qui ont à peu près les mêmes rêves, mêmes préoccupations, mêmes sentiments et tout. Du coup, ça m'aide beaucoup à montrer le côté positif d'N'Djamena et aussi du Tchad quelque part. Après, au niveau du Tchad, c'est vrai que c'est un pays compliqué quand même, faut le dire. N'Djamena et... Enfin, les gens connaissent la situation avec voilà, les risques terroristes et autres. On peut vite mettre de côté cet aspect-là parce que justement, bah, le réseau des jeunes Français, Européens et même de tous autres horizons est bien développé. Donc il y a toujours des choses à faire, que ce soit au niveau culturel, sportif. Les loisirs et les activités, bah, ça va être... C'est tout bête, hein. c'est con, mais... Ouais, aller chercher un paquet de Kleenex au petit marché, quoi. Voilà. C'est le loisir, c'est l'activité détente. Après, il y a, en ce qui me concerne, moi, c'est des loisirs, mais qui sont un peu du travail, quoi. C'est la chorale paroissiale. Évidemment que travailler dans une chorale, pour moi, c'est un plaisir. C'est de faire de la musique, hein. Mais c'est aussi un métier, parce que bah, c'est un de mes métiers aussi, de chef de chœur. Et puis, c'est dans le but d'animer la messe du dimanche. Voilà, donc c'est, il y a une fonction. Donc c'est pas un loisir, c'est pas une partie de squash, quoi. Depuis que je suis arrivée, j'ai trouvé un très bon groupe d'amis ici, de tous les volontaires internationaux. Et c'est très sympa, on s'entend très bien. Avant, quand je suis arrivée, on m'avait dit que le week-end va être de 2 jours et demi. Et du coup, je me posais la question, mais 2 jours et demi, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a trop de temps libre? Mais alors que non, je vous jure que j'ai les week-ends plus chargés que la semaine. Du coup, comme on s'entend très bien entre nous, il y a beaucoup de choses à faire. On fait pas mal d'activités, on fait des petites sorties où on a le droit d'aller et tout. Et on fait des repas, on fait des dîners ensemble et c'est très bien. Et tous les samedis après-midi, je donne des cours de danse Bollywood de bénévolement ici à N'Djamena. Et du coup, ça marche parce que... Les aficionados de Bollywood sont partout dans le monde et quelque part, c'est mon lien fort avec le monde en dehors de l'Inde. Qui a commencé bien avant que je sois là, oui, qui a commencé en 2011. Ouais. Ça. Qui a commencé en 2011. Les travaux ont commencé avant mon arrivée en 2016. Donc c'est vrai que c'est particulier parce que les volontariats, c'est sur c'est une vision à court terme, donc c'est de 1 à 2 ans. Comment on t'appréhende le fait qu'il y ait plusieurs volontaires sur un même projet? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, parce que les expériences. Ouais. Oui, ça nous permettra de nous enrichir. Ouais. Voilà. C'est vrai que ouais. Je pense que chaque volontaire peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Ouais, on est en train de changer et que bon, ce sont des appuis pour permettre maintenant à la population d'en tirer bénéfice de tous les projets. Parce que c'est les bénéficiaires, c'est eux qui sont essentiels.
Nous, nous ne sommes que des serviteurs. Voilà. Ouais. Et c'est des cultures de quoi il fait? Là-bas, c'est de l'oseille. Oseille? Sur le bâtard. L'oignon aussi, il a commencé déjà. Ok. Et puis, il y a ça arrive dans ma vie. Firiza ne souda, akid sana na kulu. Geisha gara nasbayi meibu. Geisha anawa nubuda, yamuru gana angri. Lena sana beti shoko java haluda. Khadar naswena ra, eni jile na afi kamal na. Waduka duka kwara ra, angri nti java hasan. Raka mud kama mud da guide. Lakini na wabara ngaku mwa fakara, era alma ga kamil. Una firiza la kuli mud. Aye se, shinu kula mahayara se. Zaman na sara mami shilawa. Asa ma fi almi da ban na kada mu. Salut Mani. Ça va? Ça va. En forme? Ça va bien. Bonjour. C'est bon madame, vous avez récupéré votre carnet? Avec la petite feuille et tout? Les médicaments? Parfait. Par ici, baby. Un kilo 820. C'est bien, pépère. Très bien. Pour la suite de mon parcours, je pense que cette expérience déjà, m'ouvre énormément l'esprit. Je pense que mes pratiques vont peut-être un peu différer. Je serai certainement moins paniquée quand je reviendrai en France. Les salles de naissance, ça sera peut-être plus cool. Peut-être parce que j'aurai vu différentes choses là qui font que je prendrai peut-être plus de recul sur certaines situations. Je comprendrai peut-être davantage parce que je travaille dans une maternité à Aulnay-sous-Bois, donc il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Peut-être que je comprendrai plus certains aspects, certaines façons de faire et de voir les choses avec mes patientes justement là-bas. C'est le type de poste, le volontariat, qui vous fait grandir plus vite. Parce que voilà, il faut être très vite autonome, très vite adaptable. Être à la fois dans le moule AFD, mais aussi à savoir réagir face à des situations qu'on n'aurait pas eu idée qu'il puisse se passer en France ou ailleurs. Ça permet une ouverture d'esprit que je n'avais peut-être pas avant. Rien que ça, ben, ça va permettre de m'ouvrir des portes pour de futures expériences. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore envie d'être enseignant, ou en tout cas, pas comme ça. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra dans le futur, je ne sais pas si je continuerai à enseigner dans le futur, mais je suis à peu près sûr que ce ne sera plus comme ça, par contre. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en perds.